12 juillet 1998, journée historique, la France remporte la Coupe du Monde de football. Et parmi les buteurs qui ont permis la victoire, un certain Emmanuel Petit. Et c'est bien connu, le succès ça rend beau et sexy. Une idée confirmée par l'ancien footballeur dans son livre « Mon dictionnaire passionné de l'équipe de France » publié chez Hugo Sport. J'étais littéralement harcelé. Comment j'ai réagi? J'en ai profité. Je me suis dit « profites-en, tant que le train est arrêté à quai », écrit-il dans l'ouvrage. Et même si la tension est un peu retombée, à 46 ans, Emmanuel Petit est loin d'avoir tout perdu de son charme. Il s'arrête souvent à quai, s'est-il amusé à expliquer à Philippe Vandel dans l'émission Ceci dit sur Europe 1. J'ai cette chance-là de plaire à la gente féminine en général, et elle me plaise bien également, je suis rangé, il n'y a pas grand risque émanant de ma part, a-t-il néanmoins tempéré. Rangé, il ne l'était pas il y a 20 ans, et ce n'étaient pas les occasions qui manquaient. Emmanuel Petit confie que régulièrement des femmes allaient l'accoster dans les toilettes de restaurants, ce qui est aussi arrivé avec une hôtesse dans un avion. Il estime même avoir été réduit à un objet sexuel, mais reconnaît que ça ne lui a pas déplu. Il y a prescription maintenant, mais quand vous êtes en haut de la vague, il y a tellement de sollicitations que c'est très difficile de ne pas succomber. On est faible, admet Emmanuel Petit sur Europe 1.